Bon, et ben voilà, au bout de troisième jour de route, au lieu de sortir les ponchos, gros orage, voilà. Alors, comment est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous ressentez après ce premier contre-coup Oui, c'est le contre-coup, là, après 90 bornes, on arrive à Montbéliard. Alors déjà, c'est pas très accueillant, hein, c'est un petit peu gris-gris. Et puis, grosse rabasse, quoi, c'est la grosse rabasse. Il y a un Chinois qui nous a doublé, on s'est dit on le suit ou on le suit pas. Et finalement, on a décidé la voie de la sagesse. Allez, hop, à gauche, Schaffhausen. Reims, hein? Ah ouais, elle pique. Il me faut de l'eau, de l'eau. Bon, et ben voilà, on est environ moins d'un kilomètre après la frontière, et ce qui nous est arrivé, c'est que voilà, les freins ont lâché, là, c'est une descente en plus, et le cousin Florian avait raison, on aurait dû prendre des plaquettes de rechange, parce que du coup, j'ai plus de freins arrière, sachant que tout le poids est à l'arrière, bon, on va faire attention pour les 10 kilomètres qui nous restent. Man, I'm sure.
said your last goodbye. I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why would you leave me? Go. Good. Dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich we Francji. I czekamy. Przyjedźcie. Attends, comment ça se passe? C'est bon, c'est en route. Allez, on dit, voilà. Moi voilà, après un mois de voyage, c'est le départ. Pour salut. Bon, c'est le départ, moi je rentre, je prends le train pour Varsovie. Il est environ... Il y a l'heure là-bas, je sais pas 55, si vous voyez. Juste là, ouais. Ouais, il est 55. 55, on voit sur l'horloge là-bas. Moi j'ai mon train à midi 2. Donc je sais pas du tout comment je... On est à la gare, mais il y a des barrières partout, on sait pas comment rejoindre le truc. On est organisé, ça paraît. On est organisé. On va y arriver, je pense que je vais être à l'heure pour le train, mais c'est peut-être pas sûr. Ah, une annonce pour nous. Vous allez avoir l'annonce. C'est un fait. Moi, je suis d'accord. Et ben voilà, très bien, faisons moi, comme ça. D'accord. Faisons comme ça. Voilà. Je voulais préciser quand même que maintenant nous parlons couramment polonais, donc on a tout à fait compris ce qu'ils viennent de dire. Oui, oui, donc, on n'a pas le temps de traduire voilà. Parce que vous voyez qu'on est juste en temps. Voilà, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On se dit au revoir. Allez, ciao. Ciao et les puis, amis. Et puis voilà, et puis à très bientôt. On pour de nouvelles ça. Aventures. Voilà, on raconte tout ça dès qu'on a le temps, si jamais on rentre allez. Un jour. Voilà. Ah, ciao. Ciao. À Munich, c'est le cas. Julien se sent bien à Munich. C'est enregistré, c'est dans la boîte. Tu pourras plus dire l'inverse. T'es content de faire du bateau ? Salut Jean-Paul! Et voilà. Pour dire que la culture c'est important, qu'il faut lire,
Voilà. Ils ont mis en place Stadtlesen.com. Et là, bah, tu viens de voter pour lire. Voilà, super. Voilà, je comprends rien, il y a des cyclistes, des machins. Des... C'est l'autoroute du vélo là. Le voilà le vaillant Julien. Ça, c'est des affaires, c'est tellement qu'il faut les avoir dans le train avec la SNCF. Donc, d'un côté, hop, mon sac avec les bagages principaux. On distingue aussi mon guidon triathlète. Et dans la grosse mallette, là, c'est le vélo avec 2-3 accessoires à l'intérieur. Autant vous dire que les deux, c'est à la fois encombrant, ça pèse super lourd. C'est vraiment pas très pratique dans le train, voilà, je trouve ça moins pratique qu'un vélo ordinaire. Voilà, on espère, on prie pour qu'il ne pleuve pas trop cette nuit. Allez. Na 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 na